Congo Jamaica Yard, c'est quoi? C'est en fait un projet d'échange culturel. Entre le Congo et la Jamaïque, qu'est-ce que nous on a apporté à la Jamaïque et qu'est-ce que la Jamaïque a nous apporté au niveau culturel, au niveau historique, au niveau linguistique, au niveau artistique? Donc le but c'est vraiment d'apprendre sur l'un et l'autre, d'évoluer ensemble et voir comment on peut collaborer. Ton impression de la culture jamaïcaine? Je pense que par rapport à la culture jamaïcaine, on est connecté parce qu'on a ces deux cultures qui se ressemblent et qui cherchent à se retrouver. On parle de la culture jamaïcaine, mais la culture jamaïcaine, nous, ce qu'on a vécu plutôt, c'est la culture rastafari. Ouais, c'est vrai. Il y a une dissociation dans la culture. Cette dissociation-là, c'est que dans l'univers rastafari, la manière dont ils voient les femmes, la manière dont ils interagissent avec les femmes, c'est différent que quand tu vas like downtown, quand voilà, tu vas, et ouais. Puis là tu vois vraiment les femmes, et même comment elles s'habillent, et comment elles dansent, et comment elles parlent.